Qu'est-ce que c'est ton nom? Bema va faire délice. Ah, c'est non, c'est Bema va faire délice. Et ton occupation? Il a une occupation, non? Cultivateur. Cultivateur, pamboule. Bon. Et d'où viens-tu? À Diogo. J'habite à Diogo. Je viens de Diogo. Et qu'est-ce que c'est ton histoire? Qu'est-ce que c'est les jobs tout fait avant que ça? Avant, il était cultivateur, mais il y a un des amis, il a appelé quand nous passions à Diogo, à son village natal, et il a fait entrer dans notre équipe pour faire les insectes, surtout les spécialistes fourmis. Et qu'est-ce que c'est pour examiner les fourmis? Qu'est-ce que c'est ton instrument préféré? Pourquoi? Parce que les vitres qui mis sur pâte quand on tente un banan, il y a un terme mis sur vitres qui tient. Parce que les presque les fourmis qui est rare sont toutes dans la terre qu'on va trouver ça. Et tu préfères les fourmis de la terre ou les fourmis de les arbres? Nous avons des temps qui nous vite que nous tenons ça un bon cacage. Ah, ça me tient comme besoin. Les fourmis font des vannes fusées en bas de talent, ils ont un petit de débat. Ils veulent tout, même en bas, même en haut, mais ils préfèrent de travailler en bas parce que son boss aime les fourmis dans la terre. Tu aimes la forêt et le marché à la forêt? Il aime travailler dans la forêt et quand même s'il veut la protection de la nature. Ça c'est bien. Oh, bon. You think of any other questions, Anna? That's pretty good. Yeah. Yeah. What's your favorite ant? Qu'est-ce que c'est ton fourmi préféré? Il est un vite que t'as mis un tino. Ah, Camponotici, Tiratinera. Ah, Recro. Oh. Recro que la préférée. Tiratinera. Et pourquoi? Ça fait easy, t'as qu'au tenga. Tchao, ma finale, tu fais un cacao. Il aime trop, c'est typiquement joli, fourmi. Bon, merci beaucoup.